Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir et bienvenue. Vous avez pris l'habitude de me revoir encore chez vous. Et encore une fois, je reviens avec Monsieur Ansinyo Kabamba parce que nous profitons du fait qu'il est ici à Paris et que nous nous trouvons aussi à Paris pour développer les sujets qu'on a commencé à développer depuis un certain moment. Monsieur Kabamba, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Alors, aujourd'hui, c'est un peu spécial. Comme l'émission qu'on a faite la fois dernière, c'est-à-dire celle où on a parlé du développement personnel, téléspectateur va poser la question sur ce ébélé. Donc, yende mutuaye pour répondre parce que lobina y est trop de choses. Le sous-thème de notre émission aujourd'hui, c'est la persévérance et votre meilleur allié. Et Monsieur Ntino Kabamba a obété la biso du solo ningnini. En fait, biso to lingara yepo ayer obété la biso du solo. Il y a donc comme la sa success story comme disent les anglophones. Donc, il te longwa na théorie, to comme na pratique. Abété la biso du solo na yé moko. Donc, aza exemple ya makambo azo loba. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Monsieur Kabamba pour que vous puissiez nous donner votre témoignage, s'il vous plaît. Merci, madame. Madame, c'est un mingi. Mingo et minga pour la troisième fois à Paris. Donc, ce sera vraiment intéressant pour moi pour m'exprimer. Parce que c'est ça vraiment aussi ma mission. Ma mission est allée que n'a aidé peuple nanga, particulièrement quinoa, parce que moi, la vraie quinoa. Et n'a l'équipe n'a qui fait néatisme, dans la distraction, dans les gens qui ont tout le avant il y a eu conscience. Na sakani peu trop la vie, na zoi peu l'opportunité, on a bébissi. En fait, na za vraiment na biloko nyonso wana. En tout cas, na vraiment l'expérience. Et y a vraiment, je suis vraiment l'expérience. Vous avez quel âge? Maintenant, j'ai 37 ans. 37 ans. Ouais. Donc, j'ai parcouru beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, il faut comprendre que rien n'est impossible. En tout cas, ça, c'est un coach qui m'a toujours dit dans la conférence de Naimoko. Il donnait un exemple à Zolo Babi. Depuis un certain temps, la croyance commune, il a dit qu'un être humain est incapable de courir 400 mètres dans 4 minutes. Et non, mais en 1964, il y a Roger Bannister qui a réussi à courir 400 mètres à 4 minutes. Et la croyance commune a changé parce qu'ils ont vu quelqu'un le faire. Et comme possible. Et comme possible. Et après lui, il y a eu des femmes, des enfants, des jeunes qui ont réussi à courir 400 mètres dans 4 minutes. Ce qui t'a changé, c'est par rapport à une croyance commune. Il faut vraiment vendre à ce qu'il y a. Déconstruire voilà. La croyance. Voilà. En tout cas, il faut que décomposer. Il faut désapprendre les gens. C'est pour changer cette croyance-là. C'est ce que moi j'ai fait. J'avais vraiment cette croyance commune-là. Que tu dois aller à l'école. Tu dois faire ta famille. Et tu t'arrêtes là si tu gagnes ton petit salaire. Mais on ne vivait pas dans la prévision. C'est qu'on a compris chez l'homme blanc, dès que tu vois, on a construit le métro, Mikoloyo, mais c'était prévu déjà que France va atteindre la dimension boyé, il y a population. On doit déjà prévoir d'autres lignes. C'est ça, la croyance va atteindre commune qui s'écoule. Quand tu trouves ton boulot, déjà tu gagnes ton salaire. C'est ça la croyance commune qui te limite là. C'est ça la raison pour laquelle tu es venu sur Terre. C'est la croyance commune. Mais moi, je vais un peu changer ça. Je vais vraiment pousser les gens d'être étranges. Là même, je suis en train d'écrire un livre. Titre en anglais, Ali, Normal, échec, étrange, réussite. Parce que c'est les gens normaux qui mènent la vie normale. C'est encore normal. Mais au finish, on va avoir au moins $500. Après, on a mis ça tout 5. $500 comme Mouké. Mais lui, il trouve toujours ça normal. Jusqu'à ce qu'on se retrouve à échec. Mais les hommes étranges,
imaginent, ils utilisent leur imagination pour faire des choses que les autres trouvent fous. Mais donc, vous croyez vraiment que la société n'a eu un autre loup, on a utopité, au com, on a commis la majorité des kinois, on a mis en sobazo, on a bosseur, on a mis travailleur. Tu penses que au com? Oui, tu au com, parce que, pas si, ce que nous avons continué jusqu'à ce que les pays décliquent. Soit l'ingi, a t a longtemps, c'est son problème. Mais moi, je suis kinois. Je suis kinois. J'ai d'autres quinoa autres travailleurs bango bazo. Il y a des quinoa bazo comprendre. Mais le problème c'est que si tu veux changer de monde, si moi j'ai réussi à changer 100 personnes et que 100 personnes ont réussi à changer ne fût-ce que 10 personnes et que 10 personnes là parce que c'est un processus. Donc génération incroya, on peut réussir. C'est pas baguette magique moroboye. Donc je veux dire si je comprends bien Lelo monsieur Kabamba donc, yo, tu as réussi. Oui. Tu peux définir que yo a réussi. Si je dois répondre à ça, la réussite, pour moi, ce n'est pas un terminus. C'est un processus. En comparaison, na o nazalaki, il y a 2 ans, ceux qui n'accompagnent on a les lots, je peux dire je suis grand, j'ai réussi. Mais na comparé en haut, na o na ligne na koma, je suis encore bébé. Vous voyez un peu? Ça c'est logique. Moutinou soit à Yebingaï. Ce qui a comparé Nengenazaki il y a 2 ans, a comparé à Lelo, peut-être pas Naya au Kantana commis. Mais Ngaï, ce qui a comparé au Nazaraki il y a 2 ans, au Nazalelo, n'a senti qu'il y a colli. Donc, conseil dans la société, et ça pour ne pas comprendre, conseil aux autres pays, ça qui noir, et ça de temps en temps, la vie n'a pas ça, il y a mini bilan. Ngaï, c'est quoi bilan, il y a chaque jour. D'accord. Ça, c'est vraiment un exercice que je fais tous les jours avec ma femme. C'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup accompagné. Voilà. C'est-à-dire que je suis un bilan. Si je suis un bibi, je promets que je suis un bibi. Tout ça, pourquoi tu es un bibi? Mais est-ce que peut-être que tu m'as bêté? On fait un bilan, il y a conversation, il y a espoir au Tuzaki Nango. Tant que comme si tu essayes et le Romsus. Non, on adapte toujours la possibilité par rapport à la réalité. C'est vraiment un exercice qu'on faisait. Mais est-ce que Batubiel va ça? C'est ça des choses qu'on essaie de repérer sa cabatou. Pour un peu passer directement à un petit témoignage, Naza informaticien. Naza passionné à l'informatique. Mais. J'aime parce que je connais ça, je n'attends rien dans le campus et puis je n'ai alors je dois quand même bénéficier de ça. Et je peux s'en aller à moi, grâce à moi, grâce à moi, grâce à moi, grâce à moi, tout ça. Donc je ne peux pas négliger ça. Mais voilà comment moi j'ai travaillé. J'ai trouvé autour de moi le meilleur. Les amis qui étaient meilleurs. Donc on a l'équipe en fait. Voilà. C'est une façon de faire. Il faut qu'on vende la bateau à l'équipe. Voilà. Mais la motivation à nater. Je ne sens pas cette motivation au comme à là-bas. Qu'est-ce que je dois faire? Quel est mon talent? Moi manager, n'ai moi recruta, n'ai moi koloba. Comme n'ai moi ma théorie informatique, n'ai pas manager. J'ai commencé à entrer ministère ni on a quantité. Sur les 52 ministères, toi, on a quoi tu atteins à 40. J'ai rencontré au moins 15 ministres. Pour m'appeler sans la solution. Vous pouvez imaginer, 15 ministres, on a rencontré. C'est-à-dire que, pendant qu'on a quitté un ministre, moi, on a salé 2 ans pour qu'on a quitté un aïe. Vous pouvez imaginer. Oye samedi, attendez pas conseil. Oye mardi, wana, attendez pas conseil. Oye, c'est-à-dire que je vous dis 2 ans. Ça n'a pas marché. Mais au moins, j'ai créé d'autres possibilités. J'ai commencé même à faire ces dons. Les dons dans le ministère. Wana. Par exemple, j'ai créé les cartes de visite. J'ai sali les dons. Même dans le bon côté. J'ai imprimé les cartes de visite à la qualité. J'ai sali les dons. J'ai sali les dons. J'ai sali les dons. 2 ans après, na exposé projet nanga. À ce pèl nango, il va m'appeler. Il va vous appeler. Mais à ma grande surprise,
numéro na ngai tika la na 4 wana to komanga de numéro na komanga na infographe comme ya zaki na numéro ya réseau moko oyé pas zaki na abengi numéro ya petit wana. Aujourd'hui petit wana azo marché non yaba polo donc c'est dit ba pesa ye offre ya ba polo. Wow. Et il est maintenant en contact avec le ministre à tout moment. Wow. Donc, ce qui est la chèque, c'est-à-dire que na luki ba possibilité, il continue. Ce qui est le ministère, il y a besoin de l'imprimerie, parce qu'on a réfléchi les approches pour notre petit cas d'empreinte. On avait fait des sacrifices, tu peux avoir des cartes gratuites, tu peux avoir des bureaux gratuites, on a sacrifié. C'est ça parmi les principes que moi, on m'a enseigné de servir avant d'être servi. Ngai na continué le processus na nga wana ya koluka. Mais pendant la décision, il y a un ministre. C'était un fruit de la méditation. Je suis adapté à la réalité par rapport à Mbokanabiso. Réalité par rapport à Mbokanabiso pour au fond, il faut oser un attachement. C'est une réalité. Mais quand tu viens pour t'attacher à quelqu'un, mais quelle est ton offre personnelle? Tu amènes quoi? Qu'est-ce que non, qui petit ça qui trop. Mais moi, tu vois l'avantage avec moi c'est quoi? Quand j'arrive dans quelque chose, ça aussi on m'a enseigné dans mes formations de développement personnel. On nous dit quoi? Quand tu arrives dans un endroit, regarde tout ce que qu'est-ce que je dois faire pour aller à droite? Pour faire tellement la différence. Quand on a comme Nathalie, environnement, on a comme là qui Nathalie Yanabi, awa informaticien Zaté. Il faut nous proposer. On a copié automatisé boy. Gratuitement. Moi, je rentre chez les amis, au bas dans la maîtrise, nango, de travailler ensemble parce que moi, je suis beaucoup plus parti architecture, organisé, na PC Bango, mettre en place. Et moi, parfois, j'ai enlevé mon argent pour motiver ces gens-là. Mais bien que nous avons le guana, bah, son bipété. Et le monsieur, on a demandé quoi apporter. Il me regardait. Aujourd'hui, quand il a eu une possibilité pour valoriser ce que j'avais, il n'a pas traîné. Mais j'ai fait presque une année. Il y a Koloukaye, jusqu'à ce que les lots opportunité, mon ami. Il n'a pas hésité pour m'appeler. Donc, ngai nazali fouri ya biloko nyonso o na visualisant. Quand on a vendu ko vanda même tango ba papa wando ipsanga, keluka musala, kende sala boy. Moi j'ai resté toujours. Moi je disais toujours, j'ai rêvé travailler pour l'État. Servir mon pays. Ça c'est vraiment un rêve. Travailler pour l'État, fonctionnaire. Fonctionnaire en fait, servir le pays. Yo, Moussa, moi, les taux aux ongles. Je vais vous faire rire, je dis, je fouillais beaucoup ma test. Moi, Bakinoa, Bélé, Bakosa, Moussa, les athées, Moussa, les athées. Oui, ma test, la psychologie. Ma test, c'est la psychologie. Ngaï, Nazan, expérience, il y a ma master nions autour de moi. Bah, au Batangi, classe, au Tangi, Nabango, Batangi, classe sérieusement. Attends, mon côté, le chômé. Quand on a Congo, ça c'est un témoignage. Donc Moussa les a non? Moussa les Ali les a pété, mais au moins, j'ai dit clairement que. Soko lingo sala et koyebi. Parce que bah, tout, le problème me dérange jamais, surtout la perfection. Tout ça va pépriste, c'est-à-dire que au bricolac. Mais Soko koyebi Moussa là correctement. Je vous dis, Soko koyebi Moussa là correctement, tu vas trouver le boulot. Ça, je peux garantir. Ce que ngai so mutaib sina galuga musala akutana ngana l'accès que tu as la place au faille. Parce que moi-même, quand je voyais mes amis là travailler, moi j'étais dans autre chose. Eh ben, je musala na comme le ba oza kindo kité o mamba famité na rien même comme la ba grand-père na biso pensa mais est-ce que famille na biso ça ba lien moko compliqué. Mais quelqu'un qui m'a sauvé, il m'a dit avant de décider que c'est un problème spirituel. Il faut d'abord voir les problèmes physiques. Est-ce que tu as réglé tous les problèmes physiques? Or, les problèmes physiques, c'était des problèmes d'énergie. Il faut étudier, il faut comprendre des choses, il faut avoir la technicité, tout ça. Mais avant, comme on m'a rembamouli, est-ce que non, il y a une autre chose réglée? Or, on a une autre chose, on a aventuré. Quand j'ai commencé d'abord à régler les problèmes en auto, et ça m'a permis maintenant, il y a déclenché beaucoup de choses. Moi, j'ai des amis au Batangi informatique correctement,
tout le monde travaille. Un outil point noir, tu vois, il y a un outil tout bas au sol. Et j'avais honte. J'ai dit, ah, tout le temps, il y a un bandit sur la case de départ. Pourquoi tout ça? Eux qui nous quittent, mais tant que nous avons un outil, résoudre d'abord les problèmes charnels avant de voir les problèmes spirituels. Les problèmes charnels au résoudre, justement, comme ils ont un témoignage pour que Batou au bazar, pour se retrouver dans un problème au Tika, et ça là que au commis place, au commis les lots, au Baki, au Bandai, aux Aïe paresseux, au Lamine, au Bapongi, comme il a dit, et Masanga déjà, un Tika un peu moins cala, Basi, non plus, Naza vraiment à bloc, heureusement, et puis même pour eux, les années qui n'ont pas qui. Qu'on s'est développé dans un métier moi quelconque. Dans ce qui est l'autre côté, on a quoi présenter. Et l'autre côté, on a dit bien. En fait, dans ce qui est l'autre côté, même informatique, on a dit bien. Vous comprenez? Dans ce qui est l'autre côté, on a dit bien. Même net informatique, on a un domaine de programmation, la base de données, le design, tout ça. J'avais juste des théories. Pour ne même pas bricoler. Ça, je dois être honnête avec moi. Je n'avais que des théories. Mais au moins, avec mes théories, j'ai réussi quand même à convaincre maintenant la théorie. Moi qui est quinoa, quoi. Moi qui est quinoa, mais dans la théorie, est belé. C'est quoi, yo? Le mouton a passé une opportunité, yo. Il m'avait mis devant avec ta compte. Maintenant, va travailler. Et moi, je n'avais que des théories. Ça, c'est vraiment un témoignage. Mais j'ai travaillé comme un fou. J'ai travaillé comme un fou et j'ai perfectionné ça. C'est très bien. Donc aujourd'hui, même là où il est fier de moi, que je suis en train de bien faire le travail. Et là où je travaille, ils sont aussi fiers de lui, il nous a envoyé quelqu'un qui maîtrise. Donc j'apporte quelque chose pour mon pays. Alors je travaille vraiment sérieusement. Et puis, mais j'ai pris le temps, j'ai pris une décision de maîtriser ça correctement et de faire ça avec amour. Bien que ce n'est même pas ma passion, mais je le fais avec amour. Donc je ne laisse pas quelque chose m'échapper. Je le fais ça avec amour. Et grâce à ça, même l'environnement dans le travail, les gens me respectent. Ah, oh, baza batouya, baye na louyengete, baye vraiment bazo accompagné, muto atindiba. Donc tu voyais un peu, dans la vie, si tu mets le sérieux, tu trouveras un travail. Tu persévères. Tu persévères. En tout cas, la persévérance, c'est quelque chose. J'ai un témoignage dans ça. Mais je dois insister. La persévérance est liée à l'état d'esprit. Parce que qu'est-ce que tu vois? Même si tu ne vois, si tu ne le vois pas bien, même si tu persévères, tu ne vas pas les toucher. Bon, persévérance peut être le là qu'on a une mission délicat qui est à la confondue na causer la cas qu'on croise ma beau. Voilà. Donc, tu persévères dans le travail et puis dans tout au sangissa tout ce qu'on a on a énuméré ici, c'est-à-dire au salaba méditation, moi ba bilan mikemike, est-ce que j'ai bien posé mes bases, est-ce que bon, tout doit être en tout cas mis ensemble pour parler de persévérance. On appelle ça dans le développement personnel comme ça ben ngo ba effet cumulé. Il faut que ça banda habitude d'avoir 1% na ba biloko ya mike mike. Donc banda chaque jour. Tu vois ce que chaque jour tu t'améliores pas à pas. Pas à pas au bout d'un temps tu vas évoluer. Mais si chaque jour aux autres dégradés, au bout d'un temps on finit proche à zéro. Alors les gens maintenant chaque jour bah, c'est dégradant. Comment tu peux avoir un téléphone Android, tu n'en prends pas? Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, la technologie est à la disposition de Moutounios. À partir d'Android, non, tu peux apprendre. À partir d'un téléphone, non, tu peux faire tout ce que tu veux. Comment mais pourquoi ils vont apprendre avec Android? Expliquez-moi. Les lois sont au quotidien d'Android, au Betigaka, à ton YouTube, comment connaître sa mission de vie. Hein? Beta ramener moi na ba ko bimisela yo ba vidéo au côté au bandi ko yoka ozo yoka avec ça. Ce problème les amis ni pas na bandi comme sous ça bazan maîtrise en français parce que biloko na congolais ba osalate. Ya ngomo ni biso to yesi ko. Ko te salon sur na lingala. To bandi sa ba vidéo na lingala. To bandi ko tcha yango na lingala comme ça sur au côté na chaîne au télécharger yango na lingala ozo mo na siko ah
étape par étape, ah, Bandeko va expliquer biso boye. Ah, bah ça on est boye, comment je dois commencer à mais faire. Mais quand tu dis biso toyé, bozan la structure mongo boye ou bien je sais pas, ezanini bozan. En fait, tozali fondation, fondation qu'on a nommé les rebâtisseurs. Okay. En fait, to lingi to rebâtir avec des nouvelles bases. Il faut te désapprendre. Batou. Na ba croyance limitante bazaki nango. To reconstruire, to rebâtir maintenant avec des croyances illimitées, l'ouverture de l'esprit. Moutoua comme on a capacité à atteindre dimension réalingi. C'est possible quand tu le vois d'abord. Tu ne peux pas toucher, ça je répète. Par exemple, si vous avez un bicycle, vous expliquez que vous avez un bicycle, vous avez un bicycle, vous avez un bicycle, vous expliquez que vous avez un bicycle, vous avez un bicycle, vous avez un bicycle, vous avez un bicycle, vous avez un alors, on doit expérimentation. Ngai et loco, vous avez expérimenté. Et que Simbi, c'est ça la vérité. Et loco, on a expérimenté Simbi, peu importe le livre, vous avez commis en haut, vous avez un bicycle, vous avez un bicycle. Parce que beaucoup de choses, vous avez un bicycle. Nous avons expérimenté et nous avons battu dans l'église, nous avons battu dans l'école, nous avons battu partout. J'ai expérimenté chaque chose. Oh, et Simbi, en tout cas, pour moi, c'est un mensonge. Ok, nous avons un gomba. Oh, surtout, ma mère, la matangoma mangengenge, ma libosso, la matangoma mangengenge, mère, et puis la matangoma la gêne. Mais là, nous avons un franchement. Mais, basi na mibali tout se retrouver kuna. J'ai posé la question à une dame. Maman, où est-ce que tu as fait ça? Où est-ce que tu as fait ça? Ah! Pour la première fois, est-ce que tu as un résultat avec Kamboye? Il y a moi, juste, il faut persévérer dans la vie. Maman, il faut arrêter avec des choses comme ça. Ngomba oyo, moni mutu neti ngai. Soki na mati yango, et qui na sali correctement le onaya qui na zone na zone résultat j'allais sinon je vais encore souffrir pourquoi mais yo oh comme il a quatre infos ou un résultat il faut te poser d'abord la question est-ce que na matango bien est-ce que na sambele c'est na sambele avant ya matango parce que ce qu'on matango bien ils ont pas son résultat il faut arrêter il faut changer d'autre approche c'est pas ton chemin persévérance toujours le bas persévérance c'est ça il faut oser là d'abord on a une autre place aux okende aux hommes, on appelle chaque jour que tu es en train de progresser. À tes âmes, à l'aime, mais tu sens, même à l'intérieur de toi, que je suis en train d'évoluer. Nous, on appelle ça la chance du débutant. Quand tu fais quelque chose, tu ne trouves pas ce qu'on appelle la chance du débutant. C'est-à-dire, nous sommes tous à ça, que loco, à mon arakamama bassine, il y a Mike, qui est ah, tu vois, il y a des choses qui te donnent un peu d'espoir. Mais quand tu fais quelque chose, déjà, même la chance du débutant, tu ne vois pas même des signes, soit. L'approche est à B, soit et là quand les gens là ils sont ok, soit tu changes approche pour nous adapter, soit au look chemin mususu. Vous voyez un peu comment moi aujourd'hui, par rapport à ce que j'étais il y a 2 ans, j'ai grandi. Mais par rapport à ce que je vais devenir, je suis encore un bébé. Parce que c'est d'abord le succès ou bien la réussite, c'est pas une destination. C'est un processus. Chaque jour, c'est vraiment un chemin. C'est vraiment un chemin. Tout le monde a dit que c'est un chemin. Parce que moi, j'appelle ça, excusez-moi le terme, c'est de la médiocrité. Parce que tout le monde atteint le sommet, il ne sait plus aller. Alors, il faut maintenant voir comment sauter de l'autre côté pour continuer. Je pense que, pour ne pas dire que vous allez à Souka, non, ce n'est pas Isa à Souka, mais on a essayé de répondre à ma question à Bino ou Bolingé qu'on posait Bisso. En tout cas, on a essayé. Je sais qu'il y aura d'autres questions auxquelles on n'a pas vraiment eu le temps ou on n'a pas. Vous allez nous en excuser. Mais, monsieur Ansino, pour clore vraiment ce sujet, et là, on a dit que nous avons dit que nous avons d'abord, nous avons fondation. Donc ça veut dire que batu oyo bazana posa ya koyeba plan de vie na bango bien mission de vie na bango, ils peuvent venir vous voir et où est-ce qu'ils peuvent vous voir? Oba yebi même à partir à numérique, vous aurez les numéros qui sont déjà affichés sur le bas de vos écrans ou sinon vous allez donner votre numéro. En tout cas, regardez la caméra. Dites un mot
aux gens qui vous suivent. Merci beaucoup Nimeka, merci beaucoup Madame Kiki. Je vous en prie. Bande konanga ba congolais et particulièrement jeunesse. Na sali constant moko awa, plus de 80% y a population en Europe dans 30 ans bazala ba vie. Alors ce qui te lingui forme à colonisation de société, nous devons prendre conscience. Mm-hmm. Parce que Yéao a réfléchi une autre façon. Parce qu'il y a déjà Gazo comme un vieux, il est en train de réfléchir comment le vieux là va encore coloniser le jeune. Aujourd'hui, la technologie est à la portée de tout le monde. Nous devons décider maintenant à apprendre et à changer. Nous avons une fondation, nous avons toutes sortes, il y a ma formation, ma fondation, il y a ce PESAC. Encadrement, il y a ma gêne, comme d'habitude. Mais nous, nous voulons apporter une chose nouvelle dans ce sens. Avant de t'orienter, tu la question nous comment est-ce qu'il faut qu'on se découvre. Pour que, tu es accompagné à ton financement, tu es à la série que tu es en train de faire quelque chose qui est dans ton rêve. Alors, c'est pour cette raison, je vous invite. Vous pouvez adhérer à la Fondation Nabisso, et à la Massina, à Avenue Matakumu, dans le quartier Wana, sans fil, Avenue Matakumu, numéro 9. Si vous avez Wana, vous avez la Fondation Les Rébâtisseurs. Donc nous sommes les rébâtisseurs du Congo et du monde. Parce qu'il y a aussi des Congolais basés à l'étranger, pas seulement à Poto. Ils ont aussi le même problème. Alors, ils peuvent suivre nos formations, nos émissions pour chercher pour un peu recevoir bangrais autotine d'apuke rêvé ba graine oyo eza katina bango. Si je peux donner mon numéro rapidement, c'est plus 243 89 78 14 039. Encore une fois. Plus 243 89 78 14 039. Voilà, voilà, vraiment et là, on est dans la soukarara, les bonnes choses ne durent pas, comme on dit. Nous, on a fait notre travail. Dans mon niveau, comme dans le bara, il faut un méca, que ça là, quelque chose, pour naïe, n'a pas de baninga, pour toquer de moustika. Moi, je vais choquer certaines personnes. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, ce qui épanouit sa rayoté, tu n'es pas dans le travail, oyo. Nzamba kile la kio. Donc, kota katina yo, mi découvrir, oye ba talent, oyo ozanango, po osala, moussala, o nzamba tinda kio na mokile. Comme monsieur Ntinyo Alobi, moussala moussou soroko sala, neti, on appelle des moussala alimentaires, c'est-à-dire ozosala en attendant au développé, don oyo nzamba tinda kio, parce que don wana o komina na niveau, yako, ele saote. Donc, chers amis, bisonyon son etoza awa toza ba nzambi ya ba vina biso. Donc, découvre-toi, fais le travail pour lequel nzambi atinda kiyo et sois heureux. Merci. Au revoir.